avait déchiré un billet à 7 sur 7. Il avait brûlé. Et alors, il paraît qu'il le fait très bien. Ça, c'est ce que je gagne. Et ça, c'est ce que l'État me prend. Je suis un insoumis. Voilà. C'est ça l'imitation ? C'était ça, bien sûr, c'était ça. Bon, on a bien fait d'interrompre le journal pour ça. Allez, on enchaîne. Salut. L'imitation minable. Vous avez réussi à faire exploser Gilles Verdez. Gilles, un commentaire. Mais c'est monstrueux. C'est minable. Mais c'est pas de l'argent. Hein. Il est payé pour ça. Ouais. Mais mal. Hein. Attendez. Allez, dernière ça se passait au bureau. Ah bah, non, la dernière directe. Ah non, non. Okay. Enfin, avant de partir, de faire une petite pause. Oui, oui, mais ne me crachez pas dessus. Pardon, je suis parti comme ça. Alors, trappons l'extrait suivant, parce que sinon je vais encore avoir des réflexions de Gilles. Parce que, petite minute emploi, bon plan, un poste de flouteur est à pourvoir à TF1. Qu'est-ce que vous avez avec moi ? Mais je sais pas, je... Vous savez ce qu'on va faire, mesdames et messieurs ? Ça n'arrive jamais, mais là, je ne maîtrise plus. Voilà, je le dis humblement, je pourrais faire croire que tout ceci est voulu, mais non.